Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement d'avoir un compte privé sur Snapchat assez facilement. J'espère évidemment que ça vous plaira, c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer très utile si vous voulez peut-être vous masquer d'autres utilisateurs que vous ne connaissez pas, etc. Donc j'espère forcément que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos sur Snapchat, qui j'espère évidemment vous seront d'une très grande utilité. Maintenant commence tout de suite cette vidéo là, allez, c'est parti! Les amis, me voici maintenant pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo, et dans un premier temps, une fois évidemment que vous serez bien sur l'application Snapchat, il vous suffira simplement de vous rendre directement dans les paramètres de l'application, et lorsque vous serez bien dedans, vous allez chercher une catégorie qui va se nommer « Qui peut ». Maintenant que vous l'aurez bien trouvé, vous devez savoir que cette catégorie va tout simplement définir finalement les personnes qui peuvent vous contacter, regarder un petit peu vos stories, ou aussi vous envoyer des messages, accéder pourquoi pas et vous trouver dans Ajout Rapide, bref, pas mal de choses de ce genre, et nous en fait, on va tout simplement énormément limiter tout ça. Ça veut dire en gros que par rapport aux messages qui vous seront envoyés, vous allez mettre uniquement sur vos amis, mais aussi pareil pour vos stories. Vous avez même la possibilité, pourquoi pas, de les personnaliser et de les montrer uniquement à quelques personnes, pourquoi pas à votre famille, etc, etc, ou même pourquoi pas finalement de créer une story personnalisée et privée. Mais aussi les amis, vous avez la possibilité de vous retirer finalement des ajouts rapides, donc c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer extrêmement utile si vous ne souhaitez pas, voilà, vous faire potentiellement ajouter par n'importe qui. Moi je vous recommande bien évidemment de vous retirer finalement des ajouts rapides, et ce qui est bien, c'est que finalement les gens qui vous ajouteront sont des gens qui auront déjà votre pseudo et donc qui vous connaîtront logiquement un minimum. Donc maintenant moi les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.